reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soupon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Franchement, j'ai vu des choses qui me choquent beaucoup même. Et j'ai envie de vous en parler. Le diable domine le monde. C'est le diable qui est le prince de ce monde. Et oui, j'ai remarqué qu'il y a une main noire sur le monde. Une main noire qui travaille contre vraiment la stabilité du monde. Cette main-là travaille sérieusement. Et il y a des gens qui accompagnent cette main noire-là dans ses œuvres. Mais le problème, hein, c'est que les choses paraissent comme de l'amusement, comme de la rigolade, comme de la blague. Et les gens n'en parlent pas. Même d'autres ne veulent pas comprendre qu'il y a une main noire qui travaille contre la stabilité du monde. Oui. Les gens crient et appellent la démocratie. Les gens disent que, oh, la démocratie, c'est mieux. Mais la réalité est tout autre. La démocratie est quand même à l'ouest. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce à qui vous pensez que ces gens vont venir vous tirer d'affaires ou bien vous sauver, vraiment, vous vous décevoir. Parce que la plupart travaillent pour cette main noire qui domine le monde. Quand le diable est venu voir le Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit, écoute, adore-moi, je vais te donner tous ces royaumes, parce que c'est à moi que cela appartient. J'ai vu aujourd'hui de mes propres yeux que ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe. Et oui. J'ai même moi-même vu de mes propres yeux des présidents qui sont dans la sorcellerie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? On sait déjà qu'au village là, il y a la tradition. Et là-bas, en général, le chef, c'est un grand sorcier. En tout cas, si tu n'es pas le souci le plus grand pour devenir chef là-bas, vraiment, ce serait vraiment très difficile. Mais pour parler d'une république, d'un État, on dit qu'ils sont modernes, on dit qu'ils sont chocos, ils sont bien habillés, ils sont bien cravatés. Alors là, moi, je vous dis, oubliez les vestes, oubliez les cravates. Quand vous les regardez avec les yeux spirituels, vous voyez que ces gens-là sont habités. Un président possédé. Un ministre possédé. Mais, à la surface, ces gens-là vous laissent voir des gens dits responsables, dits honorables. Mais c'est pas ça. La réalité est tout autre. Ce qui est en dessous qu'on ne vous en parle pas là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et la chose la plus grave, c'est que quand ces gens-là veulent créer le trouble dans le monde, ils peuvent aller vraiment très loin jusqu'à pactiser avec des démons vraiment très mauvais.
afin de venir s'introduire dans la population, s'introduire parmi les champs, afin de pouvoir faire plus de mal aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, toutes les décisions prises dans le monde sont d'abord passées sur la table de Lucifer, Satan. C'est lui qui signe. C'est lui qui dit ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Si ça ne lui plaît pas, il n'accepte pas. Mais quand vous regardez le monde comme ça, vous regardez les choses comme ça, vous n'avez pas idée qu'il y a un truc comme ça pareil derrière. Et moi, j'ai vu. Et moi, j'ai vu. Waouh. Deux fois. Je vous dis, c'est la confirmation. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, ou encore ce que j'ai vu, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Les gens sont en train de lutter pour sortir d'un problème. Regardez par exemple les Africains. Les Africains disent que ce sont les blancs qui leur causent problème. D'autres disent que oh, les blancs nous ont tout volé. Et ces gens-là sont en train de lutter afin que tous les dirigeants qui travaillent pour les blancs puissent vraiment quitter le pouvoir afin que d'autres personnes qui sont prêtes à travailler pour les intérêts des Africains puissent venir prendre le pouvoir. Et les gens même qu'ils souhaitent qu'ils viennent prendre le pouvoir là, ce qui est dingue, c'est que moi quand je regarde dans les yeux spirituels, je vois même qu'ils sont pires que ceux-là même qui sont au pouvoir. Ils sont pires. Oui, sont plus mauvais, plus méchants que ceux qui sont au pouvoir. Alors que eux, ces gens-là, ils aspirent à ce que ces gens-là viennent, ces personnes-là viennent les guider afin de venir renverser la situation, afin de transformer le 6 en 9. C'est ce qu'ils disent. Mais en fait, ce sont de faux espoirs. Ce sont de faux espoirs. Vous faites de faux espoirs. Et matin, midi, soir, les gens sont dans un combat qu'ils ne maîtrisent pas. Matin, midi et soir, ils sont dans un combat qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, l'homme espère un autre diable pour venir le délivrer d'un diable qui est au pouvoir. Parce qu'il pense que ce diable qui est au pouvoir, là, c'est à cause de lui. Il y a des problèmes partout dans le pays ou bien dans le monde. Hey! Hey! Moi je vous dis, tant que le diable a sa main sur votre pays, rien ne va tourner rond. Même si vous changez de personne au pouvoir, vous allez d'abord devoir commencer par chasser la sorcellerie dans ces personnes que vous souhaitez venir, que vous souhaitez que ces gens avaient un point de pouvoir. Eh bien oui! Parce que les gens sont possédés. Ils sont en train de parler de quoi? De la politique. Ils sont en train de parler de la politique. Mais moi, quand je les regarde là, je vois que leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. Leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. Un gars, son cœur n'est pas tourné vers Dieu. Il n'a même pas la crainte de Dieu du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire pour un pays? Qu'est-ce qu'il va venir faire pour le pays? Ou bien qu'est-ce qu'il va venir faire pour la nation? Qu'est-ce qu'il va venir faire pour le monde? Non! Ce n'est que notre serviteur du diable qui est là. Mais comme vous ne voulez pas qu'on dise le vrai nom des gens, comme vous ne voulez pas qu'on dise la vraie identité spirituelle des gens, c'est là que vous avez des problèmes. Vous êtes là, vous dites que oh, c'est la politique, et que vous êtes allé à l'école pour étudier la politique, et que vous savez comment utiliser la politique. Tout ce que vous faites là, ce sont des blablabla. Si Dieu n'est pas dans votre affaire là, c'est le diable qui sera dans votre affaire. Ce monde là, il dit c'est le chef. Le diable dit que c'est lui le patron ici. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si une nation se lève pour mettre au pouvoir
Un président qui a le Saint-Esprit. Toutes les nations aux alentours là, vont se fâcher contre le pays. Mais vous avez dit, mais what? Qu'est-ce qu'il n'y aura pas? Que se passe-t-il? C'est ce jour-là hein, que vous allez comprendre que l'affaire là, c'est plus une affaire de dire c'est la politique, c'est ceci. C'est une affaire spirituelle. L'affaire que le monde traverse là, c'est une affaire spirituelle. Il y a quelque chose que les gens veulent mettre en place. Et tout tourne en leur faveur. Ils créent des gens et ils créent leurs ennemis. Genre, ils créent des adversaires. C'est comme dans le catch. Tout ça là, c'est la distraction. Vous devez maintenant arrêter de voir ces hommes là ou ces gens qui vous dirigent là comme vous avez l'habitude de les voir. Fermez les yeux, priez, dites Seigneur Jésus-Christ, dites Dieu, montre-nous leur vrai visage. Est-ce que ce sont des sorciers qui sont là ou pas? Vous voyez des candidats, ils viennent se positionner devant vous. Il y a trois candidats. Celui-là de gauche, celui-là de droite, celui-là de milieu, on ne sait pas où. Si eux parlent, vous n'écoutez rien de ce qu'ils vous disent. Vous, mettez-vous en prière. Priez. Dites Seigneur, qui sont ces gens-là qui sont devant nous? Et Dieu qui parle, il va vous parler et vous dire ce qui se passe, celui que vous devez choisir. Parfois, les trois appartiennent au diable. Carrément! Et les trois viennent pour vous faire du mal. Mais vous n'avez pas le choix. Vous voyez ce qui se passe? Le Dieu vous dit que c'est le diable qui a la main sur ce monde. Le diable a la main sur ce monde. Et ça, c'est la preuve. Il vous présente des gens qui veulent choisir comme président. Chacun vient avec ses idées. Ce sont que tous les défauts de l'autre. Et puis, ils ne font que parler. Quand ils parlent beaucoup, et puis ça ne va pas, ils rentrent dans la guerre, dans la bagarre. Maintenant, quand vous regardez les guerres, comment ils s'entretuent là, vous voyez des symptômes. C'est-à-dire, vous voyez des signes qui montrent qu'il y a un démon qui est passé par là. Parce que de la manière dont la personne a été tuée, la personne a été exterminée, c'est tellement grave que vous vous dites que ça là, un être humain normal ne peut pas exprimer autant de haine pour son prochain, au point de tuer ce prochain là, de la sorte. On se croirait dans un film d'horreur. C'est-à-dire qu'en ce moment là, dans ce conflit qui a été créé là, des démons sont entrés dans ça. Pour montrer leur haine envers l'homme. Leur haine envers l'homme. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, les démons possèdent l'homme. Les démons possèdent les gens. Eh bien oui. Oui. Allez dans les pays où il y a eu des guerres. Si vous voyez comment les gens ont été tués. Non, vous serez surpris. Parce que vous allez vous dire, mais ah, qu'est-ce que c'est? La haine qui se trouve en l'homme, la méchanceté du cœur de l'homme, vraiment. Vous-même réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Autour de Noé, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Autour de Noé, Dieu a fait descendre l'eau pour babou tout le monde, pour détruire. Toute la terre, c'est-à-dire déluge total. Tout le monde est mort par l'eau, tout le monde est sous l'eau, tout le monde est mort. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a trouvé que le cœur de l'homme était trop tourné vers le mal que le bien. Lui-même a dit non, il faut que je les extermine, il faut que je les tue, il faut que je les enlève sur la terre. Ce cœur de l'homme tellement mauvais qui a tellement touché le cœur de Dieu, au point où Dieu a décidé d'agir. Donc c'est un cœur vraiment mauvais. Ça, c'est être possédé. Les gens sont possédés, je vous le dis. Ne voyez plus le monde comme auparavant. Ne voyez plus les gens qui vous dirigent comme auparavant. Ne dites pas, ah, ta personne est venue parler, la personne a bien parlé, donc je peux suivre la personne. Ça, là, c'est le plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Et les sorciers ont compris ça.
ils se choisissent entre eux. Oui. S'il y a trois candidats qui arrivent pour être président d'un pays, le sorcier regarde. C'est celui qui est le plus sorcier que l'autre là. C'est lui qui va le voter. Et ce qui se passe. Oui. Ça veut dire qu'eux ont vu avec les yeux spirituels pour savoir toutes ces informations. Tout ce que les gens disent dans leur bouche, ça ne signifie plus rien. Ça ne signifie plus rien. Un être humain ne peut pas sauver un autre être humain. Parce que de le cœur de l'homme, à la base, il est méchant. Il est mauvais. Le cœur de l'homme est plus attiré le mal que le bien. On dit quoi? On dit que les voici des gens, eux ils viennent au pouvoir et puis ils ne font que s'intéresser à leurs intérêts. Ils intéressent à dire genre chacun cherche son intérêt personnel. Chacun cherche son intérêt personnel. Mais tu veux qu'ils cherchent quoi? Mais tu veux qu'ils cherchent quoi? Il travaille pour lui un peu, mais en même temps, l'essentiel de son boulot, elle travaille pour le diable. Il travaille sous les ordres de Satan. Ce que le diable est en train de faire, c'est quoi? C'est de veiller à ce que toute personne qui devient président sur la terre, là, quel que soit l'endroit, même président du quartier, le diable va s'arranger à ce que cette personne puisse lui appartenir, afin qu'il puisse bien manipuler le peuple, bien manipuler les gens et puis imposer ses décisions. S'il veut faire du sale au monde, il va les utiliser pour ça. Voici pourquoi je vous dis que ce monde où nous sommes là est vraiment un monde noir. Et le diable a sa main sur le monde vraiment. Le diable est vraiment le prince de ce monde. Le diable est décidément le prince de ce monde, je vous le confirme aujourd'hui. Vraiment, mes frères et sœurs, ne cherchez pas à vous attacher à ce monde. Ce monde-là doit disparaître. Moi-même, je valide. Dieu, il faut faire disparaître le monde là. Faut faire disparaître le ciel qui est en haut là. Faut aller tout. Faut tout, pas beaucoup. Parce qu'il n'y a plus rien de bon ici. L'homme est devenu méchant. Tu fais du bien à l'homme. Celui que tu as été hier, c'est lui qui t'a trahi, t'aimait. Celui à qui tu as rendu service, c'est lui qui oublie tout le bienfait que tu lui as fait. Les gens m'ont dit, ah, pour telle personne, tu oublies tout ce que je t'ai fait comme bienfait. Non. Si une personne t'a abandonné ou bien ne t'a pas rendu la moyenne de ta pièce après que tu lui as fait du bien et qu'elle a décidé de te trahir, c'est elle qui va porter le chapeau, c'est pas quelqu'un d'autre. Faut pas dire ça à cause de son appartenance politique. Bien à cause de sa position, de son parti, non. C'est la personne elle-même qui est mauvaise. C'est elle-même qui est mauvaise et qui a fait son choix. Mais comme il faut trouver un bouc émissaire, c'est pourquoi ça se passe ainsi. Mes frères et sœurs, ne vous cherchez pas à vous accrocher à ce monde. Ne cherchez vraiment pas à vous accrocher à ce monde. Je dis, depuis hier jusqu'à ce matin, je n'ai pas dormi. Hein. Regardez, mes yeux sont. Je n'ai pas dormi. Je suis resté là jusqu'à j'ai pensé, j'ai dit, hé Dieu, les gens sont en train de courir pour aller vers d'autres personnes, croyant que ces gens-là vont les aider à sortir de la pauvreté, à sortir leur pays de la pauvreté, alors que ceux vers qui ils vont là sont pires, pires que ceux-là qui sont au pouvoir. C'est bizarre. Comment c'est possible? Vraiment, mes frères, prions pour que le Saint-Esprit travaille beaucoup pour nous. Parce que c'est la présence du Saint-Esprit ici dans ce monde qui fait que souvent il y a beaucoup de choses bizarres qui ne peuvent pas bien se manifester, bien se passer. En tout cas, la volonté du diable en ce moment, c'est de tuer tout le monde. C'est d'éliminer tous les humains, les conduire tous en enfer là-bas. Il veut que tous partent en enfer avec lui. L'argent qu'il propose à certaines personnes afin de pouvoir accomplir tous ces desseins-là. L'argent ne les servira pas à l'enfer. Ces gens seront là-bas pour souffrir.
Mais comme je ne veux pas aller seul là, ils vont emporter beaucoup de personnes avec eux. Le gars, il a 80 ans. Il a 80 ans, il n'a plus le pouvoir. Et puis, il tue des gens qui ont 20 ans, qui ont 19 ans. Parce que lui, il veut toujours être au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? À 80 ans. Laisse les gens vivre tranquille. Mais tu dis non. Toi, tu veux rester là. Qu'est-ce que tu as vu pour rester là? C'est parce qu'ils veulent toujours être des chefs sorciers assis sur des fauteuils présidentiels. Moi, quand je les regarde, je les vois, je vois en eux des chefs sorciers. Des chefs sorciers assis sur des trônes. C'est ce que je vois. Oui. Des gens riches de ce monde complotent et puis disent que bon, dans tel pays, on veut que telle personne devienne président. Faisons tout pour que ça se passe ainsi. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Maintenant, vous pensez que c'est vous qui avez voté, c'est vous qui avez fait ceci. Le monde dans lequel nous sommes est mauvais. Les gens se trahissent seulement. Les gens se trahissent seulement. Ils s'unissent. Ils font des fusions. Mais après, ils se trahissent encore. Et vous voulez les suivre? Suivez Jésus. Suivez votre Dieu. Suivez qui vous devez suivre, sauf l'être humain. L'être humain qui va au WC. Ne le suivez jamais. Est-ce que tu parles au WC là-bas, lui? On donne ça. Tant que tu ne peux pas faire ça, mon ami. Tant que tu ne peux pas faire ça, ma soeur, pardon. Prie pour que Dieu te montre ce qu'il doit te montrer. Ne suis pas les gens parce que tu as envie de les suivre. Ne suis pas les gens parce que tu dis que oh, telle personne parle bien ou bien telle personne bien défend tes intérêts. Ou les intérêts du peuple. Personne ne peut défendre les intérêts du peuple. Si ce ne sont que des gens qui ont le Saint-Esprit. Alors que ce que tu vois là, ils s'en foutent du Saint-Esprit. Ils ne savent même pas où il habite. Ils s'en foutent de ça. Tout ce qui les intéresse, c'est de servir le diable tranquille. Parce que eux-mêmes, depuis très longtemps, ils étaient des sorciers. Et c'est dans un tel monde que vous êtes. C'est dans un tel monde que nous sommes. Moi, j'ai vu ça hier, je me suis dit vraiment, il faut que je vous en parle. Afin que vos mentalités changent un peu à ce niveau. Ce monde est dirigé par le diable, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a une vidéo qui était prévue, mais il fallait que je commence par vous parler de ça d'abord. Pour que ça réveille votre esprit. Ne suivez plus personne. Tout ce qui est humain, ne suivez personne. Suivez Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, quand vous avez fermé les yeux, vous avez Dieu va montrer que la personne qui est là, la personne du Saint-Esprit. La personne va vraiment. Dieu va utiliser la personne. Foncez avec la personne. Mais si Dieu ne confirme pas qu'il va utiliser la personne, il ne vous dit rien et que la personne vient seulement pour parler devant vous, ne la suivez pas parce que la personne là est au service du diable. C'est un agent du diable. Mais vous ne voyez pas ça. Quand on parle de sorcellerie, les gens sont dédiés. Ah, les sorciers encore des sorciers. Mais ce sont les sorciers. S'il y a des sorciers, vous voulez qu'on vous dise quoi? Ou bien tu vois le soleil. Tu vois le soleil. Le soleil est là, ça brille. Maintenant, il a dit non, ça ne brille pas, ça, mais le soleil ne me battra pas. Alors que ça ne te pas trop sûr. Tu dis non, ce n'est rien. Ce n'est rien, habitué. Non. Vraiment, mes frères et sœurs, encore une fois, je vous dis, sortez de tout ce qui peut vous compromettre votre foi. N'entrez pas dans les choses comme ce que vous savez. Aucun être humain ne peut vous aider dans ce monde. La démocratie, la dictature, je ne sais pas quoi encore là. Toutes ces histoires de ouf là ne peuvent pas vous aider. La seule personne qui peut vous aider, c'est celle personne là que Dieu a choisi pour vous. Celle-là même que le Saint-Esprit et qui, par ses œuvres, a montré qu'elle aime le peuple et elle aime tout le monde. C'est cette personne là que, normalement, vous devez prier pour elle.
pour que Dieu ne puisse pas manipuler cette personne-là comme les autres. Mais là encore, il va falloir vous préparer contre le diable et tous ses agents, tous ces démons, parce que de la manière dont votre pays va souffrir à cause de celui qui a la tête, qui a la crainte de Dieu. Vous me vous dites, tiens, il y a quoi? C'est parce que le diable, il est ici dans ce monde, il dit que lui, il est le patron. Il est le roi, il est le baba, tiens. Il veut dominer le monde. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. Vous voyez, voici la réalité de ce monde. Le savez-vous? Le savez-vous? Et vous, vous étiez là en train de courir, en train de manifester. Macaroni! Macaroni quitte le pouvoir! Macaroni quitte le pouvoir! Arrête que le poil à calé où? Bon, s'il quitte le pouvoir, la personne va venir. Est-ce que la personne va vous arranger? La personne va venir, elle ne va pas vous arranger. Parce que vous, vous allez rester concentré sur ce que la personne dit et son niveau d'études. Alors qu'aujourd'hui, les plus grands sorciers sataniques, ce sont les gens qui sont à l'école. Oui. Parfois, vous dites, mais ah, mon gars, tu es à l'école ou bien tu es allé au point de l'école? En cause de toi, tu lui fais des choses bizarres dans le pays. Vous êtes pris, non? Vous êtes étonné, non? Tu n'as rien encore. C'est comme quelqu'un qui vient vous dire que lui, il a vécu où ça là, en Chine. Et puis, c'est pas parlé chinois. On dit, toi, tu as voté. On dit que tu as vécu en Chine, on a voté. Donc, on ne sait pas que ça parle chinois. Parce que des Chinois qui arrivent, quand ils ont ici, tu peux parler même un mot, tu peux dire. Une phrase qu'on fait n'existe pas. C'est quoi? Tu nous as menti. Tu nous as blagué. Pourquoi la jeune nous a-tu fait ça? Que personne ne vous trompe. Tout ce que vous voyez autour de vous, avec vos yeux, c'est que du mensonge à aller-retour. Ne croyez pas en l'homme. Malheur à quiconque se confie à l'homme. Dieu nous a dit, on a cru que c'était la blague. Moi, mais j'ai prié, je suis dépassé. Oh Dieu, protège-nous. Protège-nous, oh, protège-nous. Protège tes enfants. Eh, Seigneur, la caméra tourne même. Eh, caméra, pardon, reste tranquille. Il y a pas mes frères et sœurs ici. Nous sommes en famille. Seigneur. Vraiment, n'ayez plus confiance à quelqu'un au nom de Dieu, quoi. Moi, mais avant, il était déjà des choses. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour soutenir telle ou telle personne? Mais j'ai compris depuis longtemps. J'ai compris depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai compris. Depuis longtemps, j'ai compris que on ne peut pas mourir pour un autre homme. Moi, je préfère mourir pour Dieu que de mourir pour un autre homme comme moi. Chien! Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.